for a feeling like I'm Catalan and I'm gonna be, I'm not Spanish, you know? Yeah. Because okay, I'm Spanish, I'm Catalan and I'm Spanish also. But I don't really like the government now from 7 years ago. Okay. They really fuck. They really fuck. And they don't wanna talk with the Catalan government, they don't wanna talk about anything. We pay more than the rest of the Spain for taxes for everything. Yeah, okay, yeah. And they know, and they don't wanna talk, just they don't talk. À peine débarqué en Espagne, celle-ci m'accueille à bras ouverts. Si j'ai décidé de voyager, c'est d'abord pour rencontrer un maximum de personnes et apprendre de leur vie. Il faut dire qu'au deuxième jour de mon voyage, ce fut une belle surprise. C'est un trou d'un quand même, hein. Donc j'ai mangé avec le gars en camion, puis on est arrivé près de Barcelone. Et c'est là que je me dis, bon, j'ai le ventre plein, qu'est-ce que je fais? J'essaie de choper un stop au moins pour quelques kilomètres. Et il se fait que j'ai rencontré un Catalan qui m'a proposé de loger chez lui et de voir Barcelone. Donc, me voilà chez lui. Maintenant, il est parti promener son chien. Sinon, tout de suite, on va partir voir la ville. Donc, tout va bien, on continue. Putain, j'y crois pas, j'ai plus de chance que d'intelligence, franchement. Allez, Barcelone cette nuit. Petit, viens ici. Hé hey. Aïcha. Vamos. You will smoke too. No. Ah, it is she. Yeah. It's a little woman. J'ai un peu de temps libre. J'ai un peu de temps libre avant de voir le centre de Barcelone. Du coup, je vais voir le quartier de John, chez qui je loge ce soir. Et on s'est donné rendez-vous près du métro. Alors. Voyons, où est-ce qu'il vit ce gars? J'espère que je vais pas me faire tabasser par des locaux. Ce serait con, la première nuit. C'est un peu la banlieue ça. Tant mieux, j'aime bien. Évidemment, dans les pays latinos, on joue au foot. Hein. Quoi d'autre?
qui est fort différent de chez nous, c'est que le soir, les gens, ils sont encore dans la rue, hein, vu qu'il fait chaud, la sieste, tout ça. Je sais pas si c'est vrai en Catalogne, mais en tout cas, j'ai l'impression que la ville commence à vivre seulement que maintenant. Pas mal. Les petites sportives quand même, hein. Et là. Ça va, non? Oh là, les keufs. Whoop, whoop. Ça sonne de la police. Whoop, whoop. John, le gars chez qui je loge ce soir, m'a dit qu'apparemment c'était le quartier le moins cher de la ville. Moi, ça me va, franchement. J'aime bien le climat, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien l'ambiance. Et c'est pas mal, hein, franchement. Je sais pas si à Bruxelles on aurait, pour le même prix, un quartier aussi beau. C'est vert partout, il y a des beaux trottoirs. Les gens sont plutôt calmes, j'ai l'impression, même si à cette heure-ci, il y a pas mal de gens dans la rue. Ça a l'air plus safe qu'à Bruxelles, en tout cas, hein, dans certains de nos quartiers. Bon, on aime bien Bruxelles quand même, hein. Faut pas le croire. Oh, il y a un parc. Et autant que bon étudiant paysagiste, faut aller voir le parc. Oula, monsieur. Je crois que l'embrayage n'a pas marché. Alors, c'est vrai ce que me disait John tout à l'heure, le gars chez qui je loge ce soir. Apparemment, il y a une très très grande immigration latino. Je sais pas s'il s'agit juste de la Catalogne ou de toute l'Espagne, mais en tout cas, dans le quartier où je tourne maintenant, ouais, quand je dis latino, ça veut dire Amérique latine. Et on voit très bien les traits de visage, c'est pas des Espagnols. Chaque pays a son immigration, hein. J'imagine que c'est pas facile d'être dedans, qu'ils viennent ici. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on m'entend parce que la petite est passée en trottinette. Enfin bref, voilà. Bon, je vais vous dire la vérité en fait. Donc John, chez qui je loge ce soir, après l'avoir rencontré, après qu'il me propose de montrer Barcelone et de loger chez lui, j'apprends qu'il est homo en fait. Et donc, j'ai rien contre, hein, mais la situation est assez drôle parce que voilà, je loge chez lui ce soir. Et son copain, qui est en Erasmus en Argentine, n'est pas du tout au courant de la situation. Et en fait, je suis sorti maintenant faire un tour dans le quartier parce que le gars il parle avec l'autre, avec son copain donc, sur Skype. Et à mon avis, il ne voulait pas que je sois là. Pour qu'il soit pas jaloux. Enfin bref.
Yeah, of course. I'll call you. Really, thank you for... Muchas gracias, amigo. Nice trip. We're talking to you. You told me about this. Okay, travel. No problem. Hasta la vista. Hasta la vista. Ouh, quelle rencontre, les gars, quelle rencontre. Putain. Pardon pour le gros mot. Ah. J'ai perdu un peu de temps, il est déjà 13h, mais on me revoit là sur la route. Johnny va partir maintenant. On va essayer de choper un carton. Et direction Valencia, señor. Si, si, Valencia. Pas de carton ici. On va dire au revoir. Alors c'est vrai, comme nous disait John tout à l'heure, il y a quand même pas mal de gens issus de l'Amérique latine. Apparemment, il y a une très grande immigration vers l'Espagne. Je ne sais pas si il s'agit juste ici de la Catalogne et de Barcelone, ou alors c'est un peu partout dans l'Espagne. On verra peut-être après en voyage. Mais dans ce quartier, il y en a beaucoup. Attendez deux secondes, je vous montre quelque chose discrètement. Attendez, soyez patient. Ici de l'Amérique latine, comme je vous disais. Ça valait la peine d'attendre ou pas? Mademoiselle. Je crois que je vais rester plus longtemps.